Et salut tout le monde, c'est Faredge, bienvenue pour ce nouvel épisode de Blue Dragon. Alors souvenez-vous, on s'était laissé encerclé par l'armée de Néné, enfermé dans un pauvre bouclier, bon, pauvre bouclier qui ceci dit arrive à faire exploser tous les robots au moindre contact. Et on s'était laissé là-dessus, je vous avais arrêté en plein milieu de l'action comme un sadique, parce qu'il n'y a pas de respect, c'est comme ça, c'est moi qui décide, c'est moi qui ai les pouvoirs. Bon, bref, allez, c'est reparti. Voilà, je me balade. Salut, ça va? Ouais, ça va, et toi? Nous sommes mal si la barrière lâche. Effectivement. Combien y en a-t-il? Beaucoup. Continuez. Cette barrière est très puissante. Ouais. Oui, je sais qu'elle est puissante. Je sais qu'on est mal si la barrière lâche. Je sais qu'ils doivent continuer. Je ne sais pas combien il y en a. Jour. Bon, blague à part, je suis censé faire quoi là? Ah, bah voilà. Hey, I know you can hear us. You worms are insignificant. You have no right to call us that. This planet belongs to me. What? Is he out of his mind? Come on! Let's settle this fair and square! Settle this? Why should I bother with you people? Why should I even have to? There's no reason to. Is that so? You might not have a reason, but we've got plenty of them! I really despise you people. You who are controlling this planet. This entire planet should belong to me. I despise you all. I will show you who is king. Attack! Il y a des petits lags, là, je sais pas à quoi c'est dû. Bizarre. So very long since we last met. Yes, Master! I have a job that requires your immediate attention. We are at your service. How many of us do you need? I'll need all. How long do you think he's been at it? It's been at least an hour or so. Il a gaspillé des robots, dis donc, hein. Ah, il va les envoyer contre la barrière. Soon that shield of theirs will be history. Fine work, my faithful servants. We are honored to serve you, Master. No, don't! Stop! All of you, stop it! What now, Shu? Well, we should keep the shield up. Let's keep it going as long as we can. Why? They're the ones who helped us out! Nonsense. Our shield is holding up well. We don't have much choice. We should let the enemy waste its forces trying to break it down. That's the art of war. But Lady Zola! What Zola is saying makes sense from a tactical standpoint. I don't care! We can't let them keep killing themselves like this!
they're just machines. They'll do as they're told. But they can talk! And Yusato was happy when I named him! They have feelings! Jiro, turn it off! Don't do it. Leave it up. Turn it off! Ah, je contrôle Jiro. Éteins ça, ouais. Vite, éteignez ça. Ah non. Ah ah. Éteins ça, ouais. Ah merde, j'ai même pas vu ce que j'ai fait. Bon, je l'ai arrêté en tout cas. Everyone. Yusato. You mean to tell me that Nene's your master? Yes, that is correct. Any ancient can act as our master. Hey, Nene! Donc Nene est un ancien. Seize them. Voilà, ce fut la révélation. Nene est un ancien. Bon, même si on s'en doutait un peu, vu qu'il peut contrôler les machines et tout ça, mais bon. C'est une prison. Non, non, c'est un hôtel 4 étoiles. Il faut que je m'échappe pour rejoindre les autres. Oui, bah, en général, c'est ce qu'on fait dans les prisons. Tiens, en tout cas, au moins, on doit être bien dans le nord, là, parce que c'est bien glacé. Faut que je m'échappe, je veux bien, mais ça va être compliqué, visiblement. Une couverture pour se protéger du froid. Une boîte vide avec 10 d'or dedans. Des toilettes. Ça a l'air utilisable, si t'as pas peur de te geler les fesses. Hinata. That is not my name, do not call me that. Our master will be arriving here momentarily. You mean Nene. Hey, give me that food! What does Nene want with me anyway? Hey, Hinata! Master Shu. Yusato, give me that food, please. That no good Hinata was messing with me. Please, come out of there. But are you sure you won't get into trouble? Yes, because you too are my master. After all, you gave me a name. Thank you very much. But in this case, food can... Arrête de parler de manger, tu me donnes faim. I shall take you to them. No, Yusato, you better just tell me where they are. If you get caught with me, you might get into trouble. Very well. Security robots are stationed throughout the prison. Please be careful. Ne t'inquiète, je vais gérer. Quoi, déjà, je me fais attaquer. Ah! Haha, tu peux pas m'avoir! Mais si j'ouvre, tu vas m'avoir, donc j'ouvre. Haha! Un rat bien logé. Ok. Bon, j'imagine de toute façon que les combats à la base vont être plus faciles vu que je suis tout seul. Allez, voilà, hop. Mais je suis obligé d'ouvrir les prisons parce que bah, s'il y a un corps, s'il y a... on sait jamais quoi. Bon, même s'il y a peu de chance qu'il y ait un coffre dans une cellule, vous me direz, hein, mais... Mais il y a déjà un téléporteur. Voilà, donc maintenant je me téléporte, j'abandonne tout le monde ici, salut! Bon. Voilà, téléporteur activé. Ah bah tiens, Jiro. Salut Jiro, ça va? Jiro! Chou! Ça veut pas s'ouvrir. C'est verrouillé, oui, c'est le principe quand ça veut pas s'ouvrir. Je reviens avec la clé dans une seconde. On compte sur toi, Chou. Ok. Oula, oula, tu te calmes, toi. Puissance plus, je vais t'en donner de la puissance plus, moi. On se calme, mon petit. Allez, boost. Ah,
Alors, est-ce que la clé est là-dedans? Tout à fait logique de mettre la clé d'une cellule dans une autre cellule, mais bon. Mais elle est pas là. Peut-être ici. Trois médailles, non. Bon, bah alors, à plus. Toi, t'as une tête à avoir une clé. Fugitif détecté, début de l'élimination, l'élimination immédiate. Putain, j'aurais dû faire cette voix avec... Ah bah non, il parlait tout seul, je suis con. Ouais, alors élimination, je vais t'en donner l'élimination. Allez, oust. J'ai dit, oust. Clé du souterrain. Bon. C'est juste ce qu'il nous fallait. Non, ce qu'il te fallait parce que tu es tout seul. À moins que Shu ait Alzheimer. Ça expliquerait son soudain élan d'intelligence qu'il a eu dans les derniers épisodes. Qu'est-ce que vous en pensez? Alzheimer, n'importe quoi. Je vais y arriver. Qu'il soit schizophrène. Ouais, ça a gâché le... Ouais. Ouais, c'est peut-être ça. En fait, il est schizophrène, Shu. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci de votre aide. Mais qui votre aide? Y'a que moi. Ils sont tous schizophrènes dans cette équipe. Y'a que moi, pourquoi tu parles de votre aide? N'importe quoi. Bande de schizophrènes! Bon, bref. On va essayer de retrouver les autres. Ça sera déjà une bonne chose. Toi, t'as peut-être une clé. Alors, on va voir ce que t'as. Prends ton temps, surtout. Allez, hop. Voilà, encore un ou deux coups et ça devrait suffire. Mine de rien, c'est quand même pratique cette capacité de Shu à récupérer des points de vie comme ça à chaque attaque. Qu'est-ce que c'est? Quoi de neuf avec cette lampe? Ouais, pour l'instant rien, j'imagine qu'il faut que... Oula, tu m'as l'air bien gros toi. On va t'affronter pour voir un peu. Robot sentinelle, corps. Ah donc si ça c'est le corps, où est la tête, où sont les bras, où sont... Enfin... je sais plus ce que j'allais dire du coup, c'est pas grave, ça me reviendra. Alors, épée magique, épée au plus, hop. Voilà, ça c'est fait. Parfait. Alors, les autres cellules doivent être ici. Non, bouge pas. Voilà, hop. Allez, viens, Laura. Voilà. On va faire le ménage en une seule fois, ça sera plus simple. Perforante, c'est moi qui vais te perforer, tu vois, la cuirasse, tu vas voir. Hein. Pour l'instant, je vais t'inonder. Court-circuit! Voilà. Hop. Attention, attaque magique! Court-circuit! Ce qui est con, c'est que j'utilise des épées magiques. C'est dommage qu'ils aient pas fait apparaître une vraie épée différente suivant l'élément que j'utilise dans la paume de Blue Dragon. Dans les mains de Blue Dragon. Ça aurait été vraiment sympa, je trouve, comme... Mais bon, bah, ils l'ont pas fait, ok, hein. Voilà, ça c'est fait. Alors, ici. Maru, tiens donc. Salut. Maru. Hé, comment ça va?
Maro attend depuis un moment. Oui, la danse de la joie des Divis, on connaît. Allez, boost. Voilà, il reste plus que Zola et Clouqué, et c'est bon. Un serpent fécal cuivré. Oh, s'il te plaît, monsieur est cuivré. Messieurs sont cuivrés. Loupé. 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 Ah, touché, voilà. Comme quoi, quand vous dansez pas, vous êtes plus efficace. Mais bon, allez, cuivré ou pas, allez voir ailleurs si j'y suis. Alors, où sont les autres? Ah ben, Zola. Merci. Coucou, Chou, vous allez bien? Je suis content de vous revoir. Non, tout le monde s'en fout après tout. Ah, il manque Clouqué. Ouais, je pense savoir. Aucune nouvelle de Clouqué. Ils l'ont probablement mis ailleurs. Inutile de rester là, allons-y. Ouais. Bon, je vais pas vous spoiler, mais... bon, y'a rien, y'a pas de coffre là-dedans, donc toi tu restes là. Là-dedans y'a un truc blanc, mais blanc, je peux pas les ouvrir pour le moment. Ici, y'a rien non plus. Et là, y'a un coffre. Anneau de guerrier ancien, ça c'est bien. Attends. Voilà, accessoire. Alors, anneau de guerrier ancien. Ça augmente l'attaque magique et l'agilité, donc ça c'est ça serait bien pour Clouqué, mais c'est moins fort que l'anneau que je lui ai donné, donc on va le mettre pour Jiro. Ah ouais, 154, 224. C'était pas une... Ah ouais. Bon, mais pour les soins, ça va être pas mal, hein. Toi. Oh bah, on va déjà tester la puissance de Jiro maintenant sur un fantôme. J'ai envie de dire c'est parfait. Un vieux fantôme, en plus. Alors, épée magique, éclat plus, épée de lumière, light on. Ah bah ouais. Bon bah on va pas tester la puissance de Jiro finalement. Alors, voyons voir. La porte devrait être ouverte maintenant. Oh, mais c'est bon! Quelle est la règle qui se cache derrière l'agencement de ces lampes? Ah, bah oui, d'accord, ok, oui, je sais. En gros, il faut que je referme toutes les, il faut que je referme toutes les lampes, toutes les prisons, sauf celles où étaient enfermées, justement, bah, Jiro, Zola et Marumaro. Évidemment, j'ai oublié lesquelles c'était. Mais, je pense avoir ma petite idée. Alors, celle-là, on la referme. Celle-là, on laisse. Et là, les deux, on laisse. Et là, j'ai pas ouvert, normalement. Voilà. Donc, ces deux-là, on laisse. Et dans l'autre cellule, c'est pareil. On les ferme toutes, sauf les deux du milieu. Si je me trompe pas, c'est bien ça, hein. Ouais, c'est ça. La lumière rouge qui était allumée dans la quartier droit a disparu. Alors, on ferme ici. Ici. En évitant de rester dedans de préférence. Ah bien, point de sauvegarde là, j'avais pas vu. Ici. Je vais peut-être sauvegarder du coup, parce que j'ai pas sauvegardé à la fin de l'épisode précédent. Ça pourrait être embêtant. Donc ici. Voilà. Tac. Et ici. Voilà. Let's go. Quittons cette prison du désert, mais enfin oui, on peut peut-être dire ça. On va dire du désert glacé, même si je sais pas si on est vraiment dans un désert, mais cette prison de glace, dirons-nous. Ça ferait un bon titre pour l'épisode, ça, la prison de glace. On verra. Est-ce que j'ai le corps et les pieds là?
Union. Tadam, tadam. Ah, pas mal, pas mal. C'est vrai que c'est un peu plus stylé, là. La tête et le corps du robot de la sentinelle sont réunis. Du robot sentinelle, pas du robot de la sentinelle. Voilà. Tac. Attaque. Épée magique au plus. Ah, en plus je t'ai ralenti, c'est parfait. Allez, allez. Du 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 du. Oh mon dieu, Jiro a mis encore un coup de grâce et en plus sur un monstre fusionné. Moi je dis encore une fois, ça mérite pouce vert. Rien que pour Jiro, en plus il est bien en vert, ça tombe bien. Il me fait penser, sa tenue me fait penser à celle de Son Gohan adolescent, enfin pas adolescent, Son Gohan adulte dans Dragon Ball. Je sais pas vous, mais moi là, elle me fait vachement penser à ça. Alors, il y a deux côtés. Alors, je snob un peu les robots, hein, histoire d'avancer un peu, parce que... Bah, les robots sont pas spécialement forts, et ça a pas vraiment un grand intérêt de les affronter, là. Donc là, j'imagine que... Il y a une cinématique qui va se déclencher. Master Shu, it's me, Yasato. Yasato? What are you doing here? Yasuo! Come on, would you please keep it down? Yasato, Shu told us you helped. Thank you. I owe you one. No need to thank me. Oh, Master Nene will be here very soon. Nene? Be gentle with her. Distract them to buy you some time. You go ahead and save Lady Klook. Mais il est bien gentil, lui. Yasato. Master. Who are you? I am 61. What do you want? Master, about those humans. Now I understand what happened. You are responsible for their escape. No, no, you are mistaken. They escaped all on their own by using magic to... Did you see them do it? Not exactly. I could simply tell by the bars that... You must not trust him, Master. 61 was very friendly with the prisoners earlier. I am certain that if you check his memory chip, you will discover he is not telling the truth. So this is the best a machine can do? Can do? You're worthless. Worthless! Oh. All right, let's have a look at your memory chip. Master? Wait. Shu! Let's go, Marumaru. Gotcha! Come on, Lady Zula! Nene! Let's finish this right here and now! Ouais. Alors, vous allez m'en vouloir si j'arrête l'épisode là, mais ça fait déjà une bonne durée d'épisode. Donc, je suis en train de réfléchir, est-ce que je l'arrête là ou est-ce que je l'arrête pas là avant l'affrontement. Le problème, c'est qu'après l'affrontement contre Nene, je suis pas sûr de pouvoir sauvegarder et j'ai pas envie de faire que des épisodes trop longs. Alors, écoutez, m'en veuillez pas. Mais on va s'arrêter là et on va garder l'affrontement avec Nene pour le prochain épisode. En tout cas, j'espère que celui-ci vous aura plu et que ça vous mettra en haleine pour la suite. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Salut tout le monde !